un chemin qui a été fait par Stevenson à la fin du 19e siècle et qui part du monastère sur Gazeil situé en Haute-Loire et qui parcourt la Haute-Loire, la Lozère et le Gard jusqu'à Saint-Jean-du-Gard. Et nous, on est une association qui a été créée par des personnes du territoire et qui voulaient valoriser ce chemin et faire vivre leur territoire qui était un petit peu en déclin à la fin des années 90. Donc nous, on fait la promotion du chemin et on travaille avec tous ces prestataires, des hébergements, que ce soit des gens qui louent des ânes, parce que Stevenson l'a fait avec un âne qui s'appelait Modestine, une ânesse. On travaille avec des gens qui louent des ânes et tout ça en vue de faire venir des randonneurs sur le chemin et de faire vivre le territoire. C'est des hébergements qui ont été revalorisés. Quelquefois, c'était des structures vraiment en déclin et qui ont, avec le Stevenson, qui ont pu vraiment revivre. Ou alors, il y a eu des créations de structures. Et c'est pas forcément des choses qui sont pas forcément labellisées. Il y en a certains, oui. Mais d'autres, c'est seulement parce que ça fait vivre des territoires assez en déclin, les milieux ruraux vraiment. C'est pour ça qu'on dit un peu tourisme responsable, parce que ça fait vivre l'économie locale. Ça fait un allongement de la saison, puis il y a l'écomobilité, parce que la randonnée, c'est déjà un mode de déplacement doux. Il y a les ânes, il y a un peu le côté relation avec l'animal, et puis ils transportent les bagages, donc c'est un peu un transporteur de bagages. Et puis on a allongé le GR exprès, balisé, pour qu'on puisse le faire du Puy à Alès, et que ça permette de venir en train et repartir en train. On essaie vraiment de favoriser aussi tout ce qui est transport de bagages et de personnes. Les gens puissent utiliser des navettes, donc pas forcément venir avec leur voiture. C'est un peu toute cette démarche-là. Stevenson était un écrivain écossais. Donc on travaille avec des associations en Écosse, en Angleterre et puis dans le nord de la France, à tous les endroits où Stevenson a pu aller en Europe, pour essayer de créer un réseau, là cette fois européen, et pouvoir échanger au point de vue culturel, expérience, parce que nous, là, on a un chemin qui fonctionne bien. Mais ailleurs, en Écosse, s'ils ont envie de faire un chemin de randonnée, on va aller les aider, échanger d'expérience, de savoir-faire. On aimerait que les gens puissent découvrir aussi le petit patrimoine local à travers, ce personnage de Stevenson, et que les gens, au lieu de passer faire que de la rando, puissent aussi dire le petit village, le petit patrimoine autour du chemin, d'ouvrir un petit peu.